Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Rivert Hydra Please pour la 12e ronde de la Dofus World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des Crossmost Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Sacrieur, Steamer ou Jinak contre Xelor et Ekaflip Upper Mage. J'ai choisi de jouer le Sacrieur Terre, le Steamer Multi à dominante Feu et le Jinak Air. Je vous commande ce match en différé. Bon, j'ai choisi une draft assez ouverte, ce qui fait que j'ai First Pick Sacrieur et que j'ai pu avoir le Steamer en B. Mais en face, du coup, il y a une grosse compo. Hein. Xelor et Ekka, c'est considéré comme un très très gros duo. Ça fait plusieurs matchs d'ailleurs que je me retrouve un peu dans cette configuration où j'ai du Steamer, Sacrieur et Rodeur contre du Xel et Ekka. Donc je pense qu'ils ont un petit peu une meilleure compo que moi. Hein. Sur le papier, leur compo elle est un peu plus strong. Mais moi là, j'ai trois classes que je maîtrise vraiment bien. Donc voilà, c'est parti. J'ai un Sacrieur Terre avec un mode en Capricérel qui a bien marché les dernières fois que je l'ai sorti, je trouve. Et je me dis là, bon, bah, les Ekaflip, c'est très souvent du 4 feuilles, les Ekaflip feu à distance. Et le Xel, ça peut aussi pas mal taper à distance. Donc je me dis, bon, allez, la Capricérel, ça devrait faire le taf. Et puis, bah, voilà, c'est parti. Donc, un tour assez tranquille ici de mon côté. Je choisis de partir en Batiscaf sur le Steamer. Parce que je me dis là, il n'y a pas forcément besoin de mettre une foreuse. J'ai Lugina que je joue avec la variante Gangrène, donc je vais pouvoir éroder à 40%. Et je préfère mettre un max de PA sur mes persos qui sont en bouclier offensif pour mettre plus de pression. Et j'estime que c'est... voilà, par rapport à la draft qui peut être très explosive, le Xelor qui peut mettre un gros burst tour 2. Il y a toujours le problème du Xelor Ekaflip hein, qui peut faire un tour 2, un retour de cop plus retour de flou Odora. Donc qui peut faire un T2 dans une optique one shot ou en tout cas hyper hyper violent. C'est pour ça que je me dis, à mon avis, c'est plus pertinent de partir en Batiscaf sur le Steamer. Avec le Sacri, je viens faire un petit tour un peu de setup. Je viens poser ma perfusion, mes petits boosts. Et très important, je mets Pilori sur le Steamer parce que c'est celui qui joue juste avant le Xelor. Et c'est a priori, en termes d'ordre d'initiative, celui qui est le plus intéressant à cop en face. Bon, le Steamer, il a un bouclier défensif parce que c'est le plus sensible au focus. Et à côté de ça, bah, j'ai Sacri ou J qui ont des passifs qui leur permettent de tanker. Sachant que le Sacrieur, si on l'érode, on booste sa punition, donc c'est pas forcément quelque chose en général que les gens font. Donc a priori, ça va me roder Lugie, je pense que c'est Lugie qui va se faire focus. Mais bon, j'accepte. J'accepte mon destin, j'ai des modes relativement solides, et là l'idée ça va être de bien bourrer en face. Je vois un mode très violent sur les Ekaflip avec un turquoise qui vient booster ici à la Flamiche, ça fait un peu peur hein, quand on voit du turquoise 4 feuilles sur un Ekafeu comme ça avec un Xelor. Bon, pour l'instant, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Moi, j'ai quand même envie de casser la distance assez vite parce que j'ai pas envie de laisser le Xelor trop dominer le placement avec une cope. Donc, je me dis, bah, autant full rush direct en fait. À noter que je joue sans pre-tech évidemment parce que moi, j'en peux plus des pre-tech, hein, je vous en avais un peu parlé. Donc, en vrai, c'est un peu du trolling hein, ce que je fais, enfin, en tout cas, aux yeux de pas mal de gens. C'est-à-dire jouer sans pre-tech contre un Xelor qui peut du coup bah, mettre un rythme assez élevé dans les premiers tours du match. Mais bon, voilà, encore une fois, je pars du principe que c'est l'érosion qui va faire la différence et que les pre-tech sont pas spécialement intéressantes. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas mis sur Sacri et sur Rougi. Évidemment, sur Steamer, ça rentre plus facilement dans le mode comme sur un Aurore Pourpre. Il y a cette question aussi pour les pre-tech de savoir est-ce qu'on fait des gros sacrifices pour pouvoir la mettre dans son stuff. Typiquement, sur un perso qui va jouer en mêlée, est-ce qu'on s'enlève un Emerald pour mettre pre-tech par exemple? Là, moi, c'est quelque chose que je déteste faire. Pour le Steamer, qui est à peu près tout ce dont il a besoin dans son stuff, là, je me dis, allez, ça rentre bien. Donc c'est parti, le petit Batiscaf qui passe en Evo 3, on vient chercher les boosts PA sur les alliés, histoire de pouvoir mettre un max de dégâts. Et je me dis, bon, maintenant que le Batiscaf est posé, je vais quand même potentiellement pouvoir poser une foreuse. Y aller tranquillement, là, je veux juste mettre un petit peu de respiration dans le match. Donc je viens poser une tourelle sur la prémonition du Xelor pour pas qu'il puisse venir se rapprocher. Et pour pas que je me fasse cop trop facilement. Parce que là, la cop sur Pilori est faisable, hein. Il faut juste me taper au cac pour m'enlever le sort. Mais du coup, bah, ça lui bouffe un peu de mobilité, un peu d'action, un peu de déplacement. Et voilà, donc là, sa prémonition ne passe pas. Mais il y a le retour de flou. Donc ça peut très très vite devenir dangereux. Donc là, je pense qu'il réfléchit un petit peu à son tour. Il doit voir que ma foreuse lui a cassé sa prémo et que j'ai mon Pilori. Il vient chercher la petite désynchro. Sauf que ça ne marche pas puisque je suis pilori justement. Alors je ne sais pas s'il pensait que ça allait me le déloc ou si c'est fail. En tout cas du coup bah là ça me met un peu de retrait sur mon Sacrieur. Sacri qui a 12 esquives PA. C'est un peu ambitieux de jouer 12 esquives PA contre du Xelor.
Mais j'en ai marre de mettre des esquives, j'en ai marre des pre-tech, j'en ai marre des esquives, j'ai envie de m'amuser là sur les matchs. Donc je me dis, allez, je me fais plaisir. Là, la grande question, c'est est-ce que je bourre le Xalor, est-ce que j'essaie d'aller vers quelqu'un d'autre, sachant que pour l'instant, j'ai pas posé d'érosion. Et quand il n'y a pas d'héros qui est posé comme ça, et que c'est un match qui a priori va se jouer à l'érosion, puisque avec la capacité de soin de l'Ekka Feu et de la perma, je sais qu'il peut pas mal protéger, je me dis, bah, dans les cas-là, le plus intéressant à faire, c'est éventuellement de poser les bêtes. Donc là, c'est ce que je fais, je viens chercher beaucoup de crocobures, qui met une déjà une belle patate, là, on est à plus de 1100, histoire de poser mon événement neutre sur le Xelor. Comme ça, quand ça va le taper autour du Xelor, bah là, le Xelor aura pris l'érosion. Vous voyez des beaux dégâts quand même, hein. J'ai un mode avec plus de dommages neutres que de dommages terre, ce qui me permet de mettre des crocobures neutres. Et là, bah, le Xel, en vrai, il vient de se faire détruire. Le Sacrieur Terre, là, qui a l'air d'être plutôt pertinent dans ce match. Et là, il y a Logi qui va pouvoir arriver derrière. Donc voilà, le Xel qui a pris déjà une belle... En beaucoup de pression, je suis même presque bluffé par ce que je lui ai mis. Mais bah, les Caflis derrière peuvent venir très facilement le soigner. La question, c'est est-ce qu'il va choisir de partir directement en soutien? Il pourrait par exemple prendre des Feulements avec le Xelor qu'aligné avec le Sacrieur. Et il choisit de m'éroder l'Ouginac, donc voilà, les choses sont dites, c'est mon Ouji qui se fait focus, je m'y attendais, de toute façon l'Ouji est hyper sensible au focus, hein, il se fait éroder et c'est la sauce. D'ailleurs ça va changer, à la prochaine mise à jour ça va faire du bien, il aura a priori plus d'outils pour gérer son érosion, ce debuff et compagnie. En tout cas là voilà, mon Ouji a pris l'héros, moi j'arrive de mon tour, je mets pareil sur le Xel. Sauf que moi je suis érodé à 26% par le double Miaouche, et moi je vais pouvoir mettre 40% sur le Xelor. Avec gangrène plus charogne. Là, je réfléchis un petit peu au tour que je veux faire pour placer mon ébène. Hop, sachant que ma crocobure, du coup, c'est l'avantage de la nouvelle crocobure, c'est qu'elle met un stack mêlé direct. Et ça, c'est quand même sympa. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que je reste au cac ou pas, sachant que je suis en crocobure aussi. Hein. J'ai double crocobure, double ébène sur Rougi Sacri. L'idée, c'est de pouvoir mettre un max de pression. Donc le Xel a priori devrait tomber relativement vite. Le problème c'est que mon steamer il a pas beaucoup d'outils offensifs. Hein. Je joue en bouclier défensif reste distance. Et en plus je suis en mode Batiscaf. Donc je sais que mon steam va pas faire des dégâts de fou. Et là ce qui m'inquiète un petit peu c'est plutôt ce que prend mon Ouji. Alors là je suis soulagé de voir qu'il me tape en mêlée. Alors que je suis en crocobure donc il aurait pu à mon avis me taper à distance. Ça m'aurait mis plus de dégâts. Je profite aussi pour tester plein de choses hein, sur ces matchs. Je suis dans une optique de progression tout le temps. J'essaie pas forcément systématiquement de gagner. Enfin, en tout cas, pas dans un tryhard astronomique. J'essaie surtout à la fois de me faire plaisir et de progresser sur ces matchs-là. Donc, souvent dans mes choix de mode, mes choix de stuff, j'essaie de prendre un petit paramètre que j'ai pas l'habitude de jouer ou un petit élément qui sort de mes habitudes. Pour voir comment ça se passe, comment ça se comporte. Et là, typiquement, on m'a fait la reprise, pardon, on m'a fait la remarque à plusieurs reprises que je jouais en sacrifice avec mon Sacrieur contre des classes qui peuvent débuff. Et que c'est pas forcément pertinent. Et donc voilà, c'est une remarque qu'on m'a faite à plusieurs reprises. Et je crois que j'essaie de plus en plus de jouer pénitence. Et là, bah, j'ai très envie de sacrifier mon Ouginac. Mais comme il y a en face le Xelor et le Permage qui peuvent débuff très facilement, c'est pas forcément le meilleur choix. Donc voilà, j'essaie un petit peu de naviguer entre mes différentes variantes. Là, j'ai la pénitence du coup. On va voir ce que me fait le Xel. En tout cas, voilà, j'ai commencé déjà moi à booster ma foreuse, qui est déjà Evo 2. Donc au prochain tour, je pourrais mettre des beaux petits coups de foreuse. Mais il faudra aussi que je replace éventuellement mes PA. Je vais avoir beaucoup de choses à faire avec le Steam. Voilà, le Steam qui est vraiment en soutien, qui lui ne met pas beaucoup de pression sur le Xel. Par contre, là, ça va être au Sacrieur de jouer. Je vois que c'est mon Ouji qui se fait fracasser. Il prend pas mal de retraits. Mais du coup, le Sacri a 14 PA là. Donc le Xel risque de me sentir passer assez fort. Il s'en va avec une petite prémo. Moi, a priori, je vais avoir les outils pour le choper avec une transpo. Faut pas que je me faille. Pareil, là j'ai la variante Libation aussi, d'habitude je joue plutôt en pacte. Et là je regarde est-ce que je peux choper son chaton ou son cadran en TP. C'est plutôt le chaton que j'aurais envie de choper pour éventuellement le tuer derrière. Là je vois que je suis un petit peu embêté en termes de PO grâce avec la transpo et j'ai aussi envie de mettre une pénitence sur mon Ouji qui prend vraiment hyper cher. Donc là c'est un peu la panique, je me dis bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je transpose, je vois que j'ai pas la PO, je m'attendais à ce que Libation me booste un peu plus en PO ma transpo.
Et je pars sur Leyka, c'est un peu un tour de panique là. J'aurais voulu vraiment mettre un max de pression sur l'Oxel, ou alors pénitence mon Ogi, du coup j'ai fait ni l'un ni l'autre. Bah voilà, c'est typiquement ce dont je parlais juste avant, c'est je sors de ma zone de confort, j'ai des variantes un peu différentes, et je tente un peu de nouvelles choses sur mon gameplay. Donc là c'est une catastrophe hein, pour mon match, parce que bah, jusque là j'avais bien érodé l'Oxel, mon Ogi se fait saucer, mais j'avais une grosse capacité offensive avec mon Sacrilleur Terre. Là, j'aurais voulu lui mettre un gros gros tour avec des entailles, un gros coup de crocobure ou des choses comme ça. Et là, bah, malheureusement, l'Oxel, il a absolument rien pris. Et c'est catastrophique pour moi. J'avais les outils de le choper. Hein. J'avais pu faire des projections pour me rapprocher un peu. Je pense que là, le meilleur call, c'était vraiment de transpo le chaton et de faire un afflux pour choper l'Oxelor et le cadran à mon cac. Et de nettoyer les deux, par exemple. Et là, bah, du coup, l'Oxel, il a un tour complet où il est safe. C'est très très compliqué pour moi. Mon Ogi, là, il est à 1600 PV. Énormément d'érosion, Jack a été placé, plus beaucoup de PV max, pas de pre-tech. Là, je me rends compte que ça va être une catastrophe, que c'était un peu ambitieux comme choix de jouer en crocobure aussi sur l'Oginac. Parce que bah, du coup, je me fais éroder à une vitesse astronomique, quoi. J'ai des malus de reste distance. Et bah, je me mets des dégâts en début de tour, hein, ce qui n'aide pas. Là, j'ai quand même des beaux petits dégâts à la crocobure qui me permettent de clear le chaton complètement gratuitement. Ça fait vraiment plaisir par contre. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que si le Sacri avait pu passer son tour sur l'Oxel, il y avait déjà plus d'Oxel à mon avis. Et là, c'est mon Ogi qui risque de tomber très rapidement. Le gardien me pose un énorme problème. Il a pas mal de tacles. Un peu. Je m'attendais à être moins embêté que ça. Et il me tacle beaucoup le steamer. À chaque fois, ça me fait claquer des PA pour me détacler. Et c'est très compliqué à tomber. Il y a plein de points de bouclier. C'est un peu la sauce. Là, je vois le permage qui vient chercher du soin sur son Xelor. Le Xelor qui est full PV du coup. Et mon Ogi qui est vraiment très très mal en point. Donc là, je suis un peu triste. C'est vraiment le tour du Sacrilleur là, qui a pêché. Là, typiquement, le gardien qui vient me tacler, qui met des gros dégâts. Je trouve ça extrêmement fort, le gardien. Upper Mage, ça fait partie des classes que je vais apprendre à jouer aussi. Hein. Ça m'a l'air. Il n'y a rien qui est spécialement broken sur l'Upper Mage, mais il y a plein d'utilitaires qui sont tous très intéressants. Plein d'éléments de gameplay qui peuvent faire face à plein de situations. C'est vraiment le couteau suisse. Et pour du troisième pick en draft, c'est vraiment très très pratique. Là, je suis un petit peu indécis avec mon Steam, j'ai envie de booster le Sacri, j'ai pas trop de lignes de vue dessus, ça m'embête. J'ai plus tant de PA que ça de dispo non plus, et je me dis, bon allez. Le Xel, il est suffisamment mal en point pour que avec un gros tour de Sacrilleur, je le défonce. Enfin, il lui faudrait encore un peu plus d'héros, mais bon, voilà, je me dis, là, c'est trop compliqué d'accès. Et comme j'avais switché un petit peu sur les K-Flip avant, et qu'en plus, les K-Flip, il a un mode guerre avec 11% reste neutre, hein, ce qui est le problème du mode feu très méta que tout le monde joue, là. Je me dis, bah, je fais un double focus, let's go. C'est pas vraiment idéal, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais le Xel, à tout moment, si j'arrive à lui mettre un gros tour de dégâts, soit je le tue, soit il est très très mal. Et du coup, je vais obliger les K-Flip à jouer un peu défensif parce que là, je commence à lui mettre cher. Bah, c'est un peu le projet. Là, le Xel qui part sur mon Sacri, je sais pas trop trop ce qu'il fait. Il fait un tour un petit peu random là. Il a pas l'air d'extrêmement bien gérer son Xel en face, j'ai l'impression. Heureusement d'ailleurs. Donc moi, voilà, on va dire que ça rééquilibre un peu les choses parce que moi j'ai fait un tour catastrophique sur mon Sacri. Et là il a un tour d'Oxel où voilà, il tape mon Sacri qui est pas spécialement en danger pour l'instant. Je sais plus si j'ai de l'érosion sur moi à ce stade du combat ou pas. Dans tous les cas, moi c'est vraiment mon Oginac hein, qui me fait peur. Donc, là j'ai envie de bien 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 bourrer les K-Flip. Normalement là j'ai mon Ébène. Alors par contre je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Je prends pas le stack Ébène en début de tour. Enfin, je vois très bien pourquoi, mais c'est parce que du coup, je l'avais posé pendant le tour. Et comme il y a deux tours de CD, mais ouais, l'interaction, elle est un peu étrange, là. Elle est un petit peu déconcertante, on va dire. Et là, voilà, je vois les K-Flip et je l'ai mis à moins de 1000 PV, quoi. En fait, j'ai tellement de dégâts sur mon Sacrilleur, j'ai un mode tellement bourrin. Enfin, le Sacritaire, déjà, de boss, ça défonce. Alors, en plus, avec les gros coups de crocobure que je mets. Et je me dis, ok, j'ai peut-être un peu d'espoir qui revient, c'est un peu les montagnes russes décisionnelles, hein, ce match. Au début, je pensais que j'étais plutôt bien. Ils ont une compo plus forte que moi. Je me suis pas fait cop T2. J'ai pu éroder très vite le Xal à 40%. J'ai pas pu lui sauter dessus finalement. Mon Ogi se fait défoncer. Et puis là, ils sont obligés de jouer un peu en mode tortue. L'Ogi, du coup, peut respirer un peu, même s'il s'est fait éroder très très fort. Là, je me demande même s'il me tuait pas l'Ogi, s'il mettait un full tour dessus en vrai. Bon, je pense quand même pas parce que j'ai des bonnes raises et j'ai deux états de rage. Mais il aurait pu me mettre peut-être très très mal. Et voilà, bon, j'ai envie d'y aller sur le Xel.
Là, je viens faire une petite poursuite. Ouais, j'aurais pu lui faire un Calcanos, en vrai, ça marchait aussi. Ouais, j'aurais clairement dû faire un Calcanos, en vrai, ça aurait été bien mieux. Là, même problème, logique, il s'est pas pris l'ébène à son cac tout seul avec le coup de Crocobur en début de tour. J'avais pas spécialement fait attention à cette interaction avant de vous commenter le match là, mais je me rends compte que c'est très impactant. Parce que là, ça fait deux fois où j'aurais pu poser l'ébène, et l'ébène n'est pas posée parce que le coup de Crocobur me le stack pas en début de tour. Bon, là, du coup, ça repart sur Logis, ça vient protéger un peu le Xel. Donc, on est tous les deux un petit peu en train de changer tout le temps de focus, d'approche, à essayer de gérer et de mettre de la pression et de pas perdre non plus un perso. Et là, je commence à imaginer peut-être une façon pour moi de gagner le match. C'est que Lugie va tomber très vite. De toute façon, ça c'est clair et net, hein, il se fait détruire. Mais éventuellement, le Sacrieur, il va arriver en mode dieu du monde, quoi. Parce que il va jamais tomber. Il va jamais tomber, je vais pouvoir en gérer du 3v2. Ça fait très très très... Enfin, ça fait à de nombreuses reprises, là, sur ce tournoi, que je joue en Steamer Sacrieur et je me retrouve en 2v3, et je gagne en 2v3, en fait. Parce que le Steamer, c'est un très très bon soutien. Le mode que j'ai, là, il est très solide. C'est compliqué de me focus, et le Sacri... Le Sacri, si on le focus pas, en fait, il tombe jamais. Et du coup, il peut jouer en mode full entaille et compagnie, et c'est une dinguerie. Et si on le focus, bah, il tank avec le passif, ça lui booste ses dégâts, et si on l'érode, il met des grosses punitions, quoi. Donc franchement, c'est pas mal, je me dis, c'est ça le plan de jeu. C'est que Lugie meurt en ayant mis un max de dégâts, et qu'ensuite, le Sacrieur puisse faire son travail. Le seul point qui m'inquiète vraiment, c'est que j'ai 12 esquives PA sur mon Sacrieur, et que le Xel a du retrait. C'est pour ça que je me dis, bon... Je vais essayer de focus un peu le Xel, parce qu'il faut que le Xel je puisse le tomber et qu'après je me fasse pas trop écraser par le différentiel de PA. C'est quand on est en 3v2, ce qui est compliqué, c'est que sur un tour on a beaucoup moins d'action que ses adversaires. Sauf que en plus s'il y a du retrait PA dans l'histoire et qu'on est en désavantage numérique, là ça c'est pas linéaire en fait, c'est un scaling énorme qui fait que ça devient ingérable. Là je le vois spam les ralentissements, horloge, rouage, bon c'est des tours assez soft qui me fait. Et Lugina qui est vraiment pas bien. Là, je regrette vraiment pas avoir pris le sacrifice, parce qu'en gros, la pénitence, j'ai pas spécialement d'intérêt à la lâcher. Parce que là, les katas à distance, il peut switch entre les deux très facilement. Donc je me suis dit, allez, je prends la pénitence, parce que c'est vrai qu'on me l'a vivement recommandé à de nombreuses reprises, mais j'ai pas l'impression que ce soit très très impactant, malheureusement. Là, je viens chercher quand même la pénitence sur Lugie, mais je suis conscient que ça va pas non plus changer grand-chose. Et là, j'ai envie de choper les cas, je panique un peu. Je vois le tour qui passe, je me dis ok c'est la sauce. Je viens quand même faire un petit tour de clean, je sais pas si mon afflux est passé en fin de tour. Bon ça changeait pas grand chose dans tous les cas. Un peu dégoûté là du coup avec le Sacri encore une fois, j'hésitais un petit peu entre mes variantes. Je voulais pas laisser Lugie tout seul, mais là j'aurais... Franchement limite, je mettais un full tour à l'Eka. Je pense que je vais le tuer. Hein. Limite avec un Berserk si nécessaire. Là, je vois en vous commentant le match en replay que j'ai peut-être manqué une opportunité ici. Le problème, c'est vraiment que j'étais taclé par l'upper et c'était pas évident de choper les cas sans me bouffer trop de PA. J'avais une petite aversion qui détaclait l'upper, mais après, j'arrivais pas à claquer de l'éca non plus. Mais j'aurais sûrement eu des meilleures manières de gérer ça. Parce que là, dans tous les cas, bah, en fait, mon Ugi se fait tuer. Donc en fait, ma pénitence, ça va pas servir à grand-chose. Ouais, je pense que là, avec mon Sacri, j'aurais pu lâcher un gros gros tour. Surtout pour l'instant, je mets pas trop d'entailles, mais les entailles font très 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 mal. Et j'ai probablement un potentiel offensif que j'aurais pu mieux gérer. Donc là, comme prévu, Lugignac tombe. Je suis quand même dégoûté parce qu'il meurt juste avant de jouer. J'aurais bien aimé qu'il puisse mettre un gros gros tour de dégâts en se transformant, en mettant un max de pression. Là, je me dis, bon, est-ce que j'ai pas un peu manqué mon plan, là? Parce que le problème, c'est que les trois en face sont pas bien. Là, je vois l'upper qui commence à sortir le possédé, je suis dégoûté. L'Eka a pas pris beaucoup d'héros. L'upper, il a pris quelques dégâts, mais pareil, sans érosion, il est relativement tanky. Et voilà, c'est un peu dur pour le moral, je vous avouerai. Je me dis, bon, je suis en 3v2, mais ils sont pas forcément assez entamés en face. Là, j'ai mon Steam qui met des belles embuscades, mais le problème, c'est qu'une fois que l'embuscade est passée, j'ai plus tellement de dégâts que ça dans mon mode. Je suis en marteau possédé. Après, bon, voilà, je peux mettre des petites selpâtres ou des trucs comme ça, c'est un peu dur. Faut aussi que je garde des boosts PA sur le Sacri, donc je me dis bon, le mieux que j'ai à faire, c'est de repasser en Batiscaf et de boost PA le Sacrieur. Il faut absolument que le Sacri ait un max de PA pour pouvoir aller tuer. Dès qu'il a une opportunité de passer un kill, il faut qu'il puisse le mettre. Donc là, j'ai absolument besoin de tuer le Xel au plus vite. Xel qui se retrouve à 663 PV. A priori, il n'a pas trop d'outils pour se protéger. Je prends un poil de retrait là, mais c'est pas très violent. Là, je me dis, bon, faut que je puisse tuer le Xel. Si j'arrive à tuer le Xel,
On part en 2v2, et là j'ai mes chances, mais il faut absolument que le Xel meure au plus vite. Sinon ça va devenir absolument catastrophique. Bon là, ça fait plusieurs matchs où je te trouve en face d'Exel qui maîtrise pas hyper bien la classe, ce qui me permet de me laisser un peu souffler quand même. Et loin de moi l'idée de me moquer, hein, parce que je suis pas spécialement meilleur que ça en Xelor. C'est une classe qui est difficile à maîtriser. Alors là, avec le Sacri, j'hésite. C'est soit j'y vais sur le Xel, soit je vais mettre de la pression sur EK Upper. Là, je peux faire par exemple Ravage sur l'EK Flip. Afflue et je chope l'Upper. Ça me fait envie. Et d'un autre côté, je me dis, bon, j'ai trop besoin de tuer le Xel, parce que là, si il se prend un contre-coup des chances des K-flips, des machins, des boucliers, de l'upper, il va absolument jamais tomber. Donc je me dis, bon, j'ai pas spécialement besoin de rusher le contact avec les adversaires. Je vais prendre le temps de me resetup, de reposer ma petite maîtrise d'armes, de redéployer un petit peu mon jeu, éventuellement reposer une épée ou un truc comme ça. Et on part en 2v2. Et là, je redeviens un peu plus confiant. Je me dis, allez, ça devrait pouvoir le faire. C'est pas facile, mais je pense que j'ai légèrement l'avantage en Steam Sacri par rapport à de l'EK Upper. Parce que vraiment, le Sacrieur est vraiment très 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 puissant dans ses configurations. Quand il n'y a pas de retrait pour m'empêcher de me régène, et quand il n'y a pas suffisamment de dégâts par tour pour vraiment me tuer dès que je suis en dessous d'un certain seuil de PV, bah, c'est très très compliqué à gérer. Je lève un peu les mods en face. Le gros avantage, c'est qu'ils ont peu de res neutre. Et ça me régale. Parce qu'évidemment, avec mes coups de crocobure neutre, mes ébènes neutres et compagnie, ça va être pas mal. Alors, beaucoup de boucliers sur l'upper. Je me dis, bon, tant qu'il se met du boubou, ça va, je suis pas trop embêté. Le gardien qui a été reposé, ça me pose déjà un peu plus un problème parce que le précédent m'avait bien saoulé. Après, là, l'avantage que j'ai, c'est qu'avec le Sacrilleur, je peux faire des zones assez facilement à l'afflux, condensation ou autre aversion. Et après, au bain de sang, bah, je nettoie tout en zone, plus avec la crocobure en fin de tour. Donc je peux faire du nettoyage assez efficace. Là, voilà, le tour du Steam. J'ai 8 PA après le Up Foreuse. Je ne sais pas trop comment je peux choper ma ligne de vue. Je peux faire une marée, si je veux, sur le gardien. Ça peut être un plan. Donc je me dis, allez, je pars là-dessus. Mais il faut après que je puisse un petit peu reculer quand même. Mais ce que je me dis, c'est que ça me permet d'entamer le gardien. Et bah après, le Sacrieur en fait, peut éventuellement me pénitence dessus ou me sauter dessus. Ce que je pourrais faire également là, c'est avancer d'un PM vers l'épée, et ensuite je me recule avec une projection. Voilà, j'avais toutes ces options. Je me dis, bon, vas-y, je recule tranquillou. Parce que là, juste avec une projection, il me manquait un PM, je crois, pour aller choper la ligne avec les K-flips et le choper au ravage. Alors qu'à la pénitence, ça passe. Voilà, l'idée, c'est de reculer le Steam. J'ai une initiative qui est intéressante là parce que j'ai mes deux persos qui jouent à la suite Steam Sacri. Ce qui veut dire que le Steam peut un peu poser ses boosts, mettre des coups de foreuse, érosion et compagnie. Ensuite le Sacri il va dans le tas et c'est juste parti. Là je me dis bon, let's go. Je pose mon ébène sur les K. Je viens chercher la zone. Et là je vais juste pas les laisser respirer. Je suis un petit peu triste de laisser le château en vie. Là j'aurais peut-être pu m'arranger pour prendre la zone. L'épée, j'hésite à y aller. J'aurais éventuellement pu taper juste le gardien et là la roulette ça m'aurait régène un peu. L'EK qui prend l'ébène, et là je me dis, bon, en vrai, ça va aller. Ça va aller parce que là, il me suffit d'un tour où il n'a pas trop d'outils défensifs et je le déglingue. Il a encore pas mal de PV max, mais il a quand même pris une érosion assez substantielle. Là, il a 2800 PV max. Comme il y a beaucoup de 100% de PV max sur l'EK Flip, la bonne étoile, perception, le chaton, ça veut dire que c'est suffisamment intéressant pour lui de se soigner, mais ça lui bouffe quand même pas mal de PA et c'est pas si impactant que ça. Donc, c'est encore un élément qui est plutôt correct pour moi. Après, la question, c'est bah, l'érosion que je vais prendre sur le Sacrieur et ce que peut me mettre éventuellement l'Upper Mage. Ça me fait un peu flipper. Le danger aussi, c'est le debuff en face. Hein, c'est que je me fais debuff systématiquement si je me mets un peu des outils défensifs. Et l'Upper, il bourrine bien quand même. Hein. Il bourrine beaucoup. Donc, bon, bah, voilà. Moi, j'ai mon plan de jeu. Je vais juste essayer de le dérouler au mieux maintenant. C'est une question de bien s'appliquer. Et le plus gros souci que j'ai limite à gérer là, c'est vraiment le gardien. Le gardien me saoule. Celui d'avant, il m'a pourri mon match. Enfin, le début de mon match sur le Steam. Et là, il y a le deuxième qui arrive. Donc j'essaye de faire en sorte de le nettoyer. Je me dis dès que j'ai une zone à prendre pour le clear éventuellement avec le Sacri au bain de sang, j'essaie de la prendre. Ou je m'arrange pour l'aligner avec la foreuse ou autre. Mais là, bah, à nouveau, en fait, il a essayé de venir me tacler. Heureusement que j'avais la pénitence qui m'a fait changer de place. Limite, là, ça m'arrange carrément. Parce que je me dis, bah parfait, en fait, là je peux poser mes embuscades.
Après, j'aurais bien envie d'aller rebooster le Sacri. Là, il a plus le boost PA. Mais d'un autre côté, mon steamer, il est vraiment safe. Là, il est full PV, pas érodé. Un peu de boubou. Et je me dis, ah, j'ai des embuscades à mettre. Il faut vraiment que j'y aille. Et je me dis, allez, tant qu'à faire, je repose une petite harpo Evo. Ça va bien les saouler. J'ai besoin de pouvoir nettoyer les invocs. J'aurais voulu m'éloigner un tout petit peu plus avec le steam. Mais voilà, la harpo qui a pris un petit boost, là, l'idée, c'est de tuer le chaton à petit feu. Parce que bah, ça m'embête qu'ils prennent autant de soins. Là, malheureusement, pareil, il manque un peu de mobilité pour pouvoir faire ce que je veux. J'aurais éventuellement un ravage sur le chaton que je pourrais faire. Problème, c'est que là, je vois sur 1600 PV, enfin 1550 PV, presque plus de bouclier sur le Sacri. J'ai pas la variante pack de 200. Donc je me dis, bon, pas besoin de me précipiter. Le steamer, il est dans le time, il met de l'héros. Donc je viens nettoyer le gardien parce que j'en pouvais plus de ce gardien. Je me prends un peu de régène et je les oblige à se claquer un peu d'outils de mobilité s'ils veulent venir me rush. Et là, bah, si les cas s'exposent trop, moi je lui mets un gros gros tour et c'est fini. Et là, avec le Sacrilleur, je commence à être bien érodé. Je me dis, à tout moment, je mets une punition. Là, je mets un petit demi à un mec. Ça va peut aller très très vite. Donc voilà, j'ai essayé de prendre mon temps, je me dis, ah, j'ai pas besoin de me précipiter. J'ai pas besoin de me précipiter, le steamer il peut encaisser pas mal de dégâts avant d'être en danger. Il a son héros, sa foreuse Evo 3, qui met des bonnes embuscades à distance. Et le Sacri, bah, il a juste à attendre son heure de gloire, il va dans le tas et il casse tout. C'est un peu l'idée. Là, il faut vraiment bien calibrer la réaction, parce que bah, voilà, y a le problème que. Les deux éléments de chaque team jouent l'un après l'autre et bah, je me prends un full tour des cas peur, je suis mort direct avec le Sacri. Heureusement que j'ai ma Capri Kerel hein, qui me fait des petits points de bouclier et compagnie. Ça me sauve un peu la mise. Mais pour autant, ça peut aller très vite et l'upper il peut défoncer en mêlée hein, comme il a un bouclier défensif cadran de feu. Et là, je suis dépité, je vois que ça commence à sortir de la combinaison feu-air et ça me met du retrait et évidemment, je me prends le moins 3. C'est un mode qui n'a pas spécialement de retrait a priori sur l'upper, mais bah, comme j'ai très très peu d'esquive, évidemment je me le prends. Et là je me dis, ok c'est badant, je commençais à me dire, c'est bon j'ai réussi à dénouer la situation, et sauf que si j'ai pas de PA sur le Sacri, bah, ça veut dire qu'ils peuvent me descendre très très bas, et ils sont pas spécialement en danger de se faire punir derrière. Là ça me fait bien bader je dois dire. Et je me dis, bon, il va falloir que je vienne en backup sur le Sacrieur parce que je prends vraiment cher là. Donc je me dis, j'ai absolument besoin de me rapprocher, de venir remettre un boost. Là, j'essaie de bien calculer mon tour, faut pas que je me fail. Je me dis, ok, il me faut absolument récursivité. J'aurais voulu mettre un petit coup d'embuscade à l'upper éventuellement, mais j'avais pas les PA. Il fallait que je puisse reposer ma tourelle et me récursivité. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir pu me caler une embuscade dans le tour, mais je pense qu'il n'y avait pas trop d'autres options de faire ça. Et là, je me dis, bon, on limite la casse. 1300 PV sur le Sacri, l'air de rien, ma Crocobure qui me met 300 de dégâts à chaque tour. C'est là qu'on voit que le nerf Crocobure est très très violent. Je sais pas si ça peut me tuer, j'imagine que oui, j'ai pas encore rencontré le cas de figure. Mais ça veut dire que là, s'ils me mettent à. Comme je perds les PV de la mutilation, je me mets mes dégâts. Alors a priori, la mutilation s'applique après les dégâts de la Crocobure, ce qui est plutôt rassurant. Dans l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus problématique. Bref, je me dis, bon, là je suis beaucoup trop embêté et. Panique, je vois le temps qui passe, je veux absolument me régène, c'est pour ça que je me suis mis ici pour faire une zone, et je me suis dit, attends, si je mets un bain de sang, je tape mon Batiscaf et tout, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bah, j'ai mis une entaille à la place de mon bain de sang. Là, mon tour était calé pour faire un bain de sang avec le Sacrieur. Et là, je suis dépité, parce que je me dis, mais attends, il y a Ika Upper qui joue les uns après les autres. L'Eka qui proc son Vulbis, là. Ah non, pardon, c'est pas son Vulbis, c'est son retour de contre-coup. Mais je suis au bout de ma vie, là, psychologiquement. J'étais en train de trembler de frustration ce moment-là. J'ai vu le temps paniquer. J'ai mis l'entaille en fin de tour. C'était le bain de sang qu'il fallait que je mette. Et peut-être que juste ces PV que j'ai pas là sur le Sacrieur, c'est ce qui va faire la différence. Et ben là, je me fais fracasser. L'upper se fait full soigner. Et je me dis, oh là là, j'ai quand même pas int mon combat là. C'était pas un combat facile. J'ai essayé de bien calibrer ma réaction. Et là, je vois que j'ai 1400 PV. Enfin, 1400 et quelques avec un peu de bouclier. Mais l'upper qui est boosté en PA comme pas possible, enfin pas en PA, mais je veux dire qui a un full tour à me mettre. Là, je me prends du debuff, moins 400, je suis dépité, dépité, il me reste 900 points de vie. J'aurais dû en avoir un tout petit peu plus si j'avais fait le bain de sang, mais ça aurait vraiment pu faire la diff. Là, je vois les 7 PA, je suis dégoûté, je vois que ça me met du retrait, j'aurais plutôt eu peur d'un full dégât. Et heureusement, j'ai l'ivoire qui arrive. Et je crois que ça passe tout pile. Et là,
Je respire. J'ai eu un moment de flip. J'ai eu un moment de flip quand j'ai mis l'entaille. Je me suis dit, oh là là, non, je perds quand même pas ce match comme ça. Après tout ce que j'ai surmonté sur ce match-là, c'était pas un match facile. J'ai perdu l'Ouji, c'était frustrant. Et là, si j'avais perdu le Sekri, j'aurais vraiment été au bout de ma vie. Mais voilà, a priori, ça passe. Là, je me blinde. Hein. Les blindages, la totale. Un petit coup d'évolution pour en plus choper un peu de puissance et donc taper plus fort et me régène aussi davantage avec le Sacrieur. Et là, bon, j'ai 11 PA, j'ai pris un peu de retrait de la peur, mais a priori, ça passe. Et là, je me dis, ok, aversion. J'aurais pu choper éventuellement une. Voilà, là, je veux la punition. Ma punition, elle a 2728 et ça monte à plus de 3000 en crit. La prévisuelle, moi, elle affichait pas les dégâts en crit parce que j'ai tué avec la première ligne, mais il y a deux lignes de dégâts. Donc là, je pense que j'étais à plus de 3000 de la punition en crit. J'ai pris tellement d'héros. Et voilà, donc à partir de là, bah, c'est tranquille. J'ai plus qu'à sécuriser, à pas faire de bêtises. Là, cette fois-ci, je joue bien, bien safe. Je viens chercher les points de bouclier au taquet, les mutilations. Là, l'idée, c'est vraiment maintenant de plus faire de bêtises. Avec le steamer, je peux jouer en soutien très très protecteur et mettre du malus de dégâts à l'upper mage pour vraiment me minimiser le risque que ça se passe mal et que je perde le sacrilleur bêtement. Et voilà pour ce match qui était assez intense, assez éprouvant, très intéressant j'ai trouvé. Quelques éléments d'amélioration pour moi que j'aurais pu mieux gérer dans le match. Mais en tout cas, je l'ai trouvé assez intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.